Bon, salut la compagnie. On se retrouve au bord de l'eau. Là, c'est vraiment la fin de l'année. On est à quelques jours de 2018. Donc voilà, on va faire une petite vidéo de fin d'année avec quelques images de la dernière journée. Il n'y aura que des images de la dernière journée d'ailleurs. Voilà, comme ça vous verrez comment se passe une journée en ma compagnie, à voir si on fait du poisson ou pas de poisson. Je pense que ça va être difficile. Un spot que les chasseurs de chez moi vont reconnaître. Voilà, on est sur le 4 du coup. Aujourd'hui, Cédric est venu avec moi chasser. Donc vous allez voir, on va faire une chasse un peu différente de ce qu'on fait d'habitude aussi. C'est une chasse avec toujours quelqu'un sur le bateau qui fait barquero. Et on va chasser vraiment que de point en point, voir si on trouve du poisson ou pas. Les conditions sont pas les meilleures pour cette zone. Donc voilà, on verra bien. Après, le poisson n'est pas le but principal de la sortie. C'est plus une sortie entre potes, tranquillou. Voilà, c'est aussi ça le plaisir de la chasse. Donc voilà, vous en verrez plus tout à l'heure. On est tranquille, pour l'instant il n'y a personne. Levé du jour. Voilà. Eh ben à tout à l'heure la compagnie. A plus. Bon, allez, nous voilà sur zone. Donc 3 descentes. Et pour l'instant, les poissons qu'on cherche ne sont pas là. Voilà, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'on va continuer à chercher quelques poissons. Allez, à tout à l'heure. Petit point après 3 heures de pêche, il doit être 11 heures. Cédric m'a lâché sur pas mal de points et maintenant c'est lui qui est dans l'eau là tranquillement au bord à faire quelques agachons pour espérer croiser un poisson. Donc à deux chasseurs au bout de 3 heures, je vous montre, il n'y a pas grand chose dans la glacière. Voilà, un joli sard, hop, pris à l'agachon. Mais pour vous dire que c'est vraiment pas la folie. Après voilà, encore une fois, juste le plaisir d'être sur l'eau avec son pote, la passion de la chasse sous-marine malgré une eau à 10 degrés, 10,5 exactement, plus de la tramontane qui se lève, c'est pas la folie. Derrière moi, le cap mythique aussi de la sorcière. Voilà. Et puis wali walou. Je vous dis à tout à l'heure, mais encore une fois, hein, c'est pas les chasseurs qui vont piller la zone. Allez à toutes. We'll be right back.
Bon, ben écoutez, ça y est, hein, la sortie est finie. Donc, il est 4 heures environ. Comme c'est l'hiver et qu'on n'a pas vu grand chose, c'est déjà bien. Parce que de toute façon, dans une heure et demie, il fait nuit. Donc, on a décidé d'arrêter avec Cédric. Donc, tout ça pour vous dire que, au final, en 8 heures de chasse, à deux chasseurs, avec on va dire 50 agachons pour moi et un peu moins pour Cédric, on a fait seulement un sar du coup, et on a fini par faire quand même un joli poisson. Voilà, vous reconnaissez ce qu'on appelle un loup chez nous, et ailleurs un bar. Voilà, donc vous imaginez quand même que c'est quand même pas nous en chasse sous-marine qui faisons le plus de mal à la ressource. Parce que bon, un bar, on a épargné quelques poissons qui étaient inférieurs au kilo, et donc voilà, un joli poisson qui ira faire un bon repas avant le nouvel an. Sûrement on va profiter des fêtes de fin d'année pour faire un bon repas en famille et avec les amis. Donc voilà, tout ça pour dire que en ce moment, du côté de au-dessus du 48e parallèle, il y a le quota qui est à zéro pour le bar en fait. Maintenant, les pêcheurs à loisirs n'ont le droit de pratiquer que du no-kill. Sachant que pour nous, la chasse sous-marine, forcément, voilà, on ne peut plus chasser le bar. Donc, c'est un petit message, voilà, pour encore une fois montrer que, effectivement, c'est quand même nous qui sommes les plus sélectifs, et c'est pas nous qui avons le prélèvement le plus important dans toutes les pêches qui peut se pratiquer. En étant bien placé pour connaître quelques pêches, autant la pêche à la canne que la pêche professionnelle, puisque depuis quelques temps je suis aussi marin professionnel, voilà, faudrait quand même pas déconner. Entre la pêche électrique qu'on autorise, et puis nous, pêcheurs loisirs ou même petits métiers, les ligneurs, voilà, des pêcheurs professionnels, il y en a aussi qui pratiquent une pêche raisonnable et qualitatif plus que quantitatif, ça existe aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire aussi que vous savez qu'il y a quelques fédérations et d'autres institutions, on va dire, qui sont là pour nous défendre. Donc voilà, à chacun de voir ce qu'il est bon de faire pour lui et sa passion. Je ne vais pas dire telle ou telle chose, voilà, je pense que chacun est majeur et vacciné pour savoir ce qu'il a à faire ou pas. Mais je pense que là, on est vraiment tous concernés, autant les gars de l'Atlantique qui eux ont un quota à 3 bars par jour, ou autant nous, les gars de Méditerranée, où pour l'instant, à part le mérou et le corbe, on a la chance encore de pouvoir prendre quelques loups et autres dentilles ou dorades. Mais voilà, je pense qu'il serait temps un petit peu de se réunir un peu et d'être un peu plus solidaire de tout le monde. Voilà, à chacun de voir ce qu'il est bon de faire pour lui et sa passion, ses enfants, plus tard. Voilà, hein, on va en rester là. Moi, je vais vous souhaiter une bonne année 2018. Merci sincère vraiment à tous les chasseurs, pêcheurs qui sont venus à la colo. C'est grâce à vous que ça avance et que voilà, que je suis encore motivé de temps en temps à partager quelques sorties et quelques vidéos. Voilà, c'est vraiment le bon côté de la chose et des super rencontres avec vraiment des gars en or des quatre coins de France. Quelques sorties avec les potes chasseurs catalans que j'oublie pas. Voilà, des gars comme Cédric, bien cool. Voilà, il y en a eu d'autres. Il y a pas mal d'autres chasseurs, et même voilà, j'apprécie quand de temps en temps il y a des rencontres sympas avec les chasseurs de chez moi, et au final qui apprécient aussi ce que je fais, et donc voilà, c'est plutôt cool. Un petit clin d'œil à vous aussi les gars, et puis voilà, hein, au plaisir. Je sais pas si ça sera la dernière de 2017 pardon, mais en tout cas il reste plus beaucoup de jours là, mais voilà, je pense que maintenant on se donnera rendez-vous en 2018. Et puis voilà, avec plein de nouveautés pour la colo, et j'espère plein de chasseurs, de pêcheurs. Du coup, ça va promettre encore des belles sorties en mer, des bons moments autour des grillades, et voilà. Parce que la passion de la chasse sous-marine, c'est un ensemble de choses, je pense. Voilà, qui vont de la capture de quelques poissons, au repas qu'on peut faire avec, au partage, voilà.
de certaines connaissances et tout le reste. Allez la compagnie, fini le blabla, bise, bonne année 2018, plein de bonnes choses, surtout prudence, prudence à vous, sur et sous l'eau, et puis voilà, à bientôt, la bise. Yeah, you're already gone. You're